Bonjour, ici Alex Wagner et aujourd'hui toute l'équipe est à Lille pour animer un atelier et je vais vous parler du peacocking. Vous savez, cette technique très old school consistant à s'habiller de façon extravagante comme le faisaient à l'époque Mystery et Style. Et d'ailleurs, moi aussi, je portais des montres extravagantes, plusieurs montres en même temps. Donc j'ai participé à ça, des chaussures bizarres, etc. Le but étant d'attirer les regards sur soi quand on est en soirée pour montrer qu'on arrive à soutenir cette pression sociale. Et c'est aussi pour communiquer qu'on n'est pas un mec ennuyeux comme tous les autres mecs et qu'on, c'est une sorte de promesse visuelle d'aventure et de fun. Le problème avec ce genre d'approche, c'est que c'est très try hard, comme on dit en anglais, c'est-à-dire essayer trop. C'est surfait, c'est ça le mot qui manquait en français. C'est-à-dire que c'est une forme de supplication avancée, c'est-à-dire que faire autant d'efforts pour arriver à une réaction, bah c'est finalement considérer que la femme en question a plus de valeur que nous et qu'on n'est pas suffisant tel qu'on est et que donc on doit s'habiller de façon extravagante pour pouvoir attirer les femmes. Si vous voulez, je prends toujours l'exemple, imaginez qu'est-ce que ferait Georges Clooney. Alors je ne cite pas Georges Clooney dans le sens la star internationale et milliardaire, mais ce genre de mec cool, confiant, sexué, est-ce que lui sentirait le besoin de s'habiller de façon extravagante pour attirer les femmes en soirée? Bien évidemment que non, et donc la réponse c'est vous non plus. Ce que vous pouvez faire à la place de vous habiller de façon extravagante, c'est simplement d'avoir un comportement qui va être qui va rimer avec le fun et l'aventure. Ça veut dire un comportement challengeant, ça veut dire de dire des choses qui peuvent être un petit peu provocatrices, un petit peu improbables, un petit peu taquines. Voilà ce qu'il vous reste à faire. Alors, dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous avez expérimenté avec le peacocking, est-ce que ça a marché pour vous, est-ce que vous pensez que ça, c'est une partie indispensable de la panoplie du bon séducteur, comme ça l'était à la sortie du livre The Game. En tout cas, vous pouvez vous abonner en cliquant en haut à gauche, parce qu'on sort une nouvelle vidéo tous les jours. Vous pouvez aller plus loin en visitant le site Morning Kiss, et vous pouvez regarder d'autres vidéos que je vous suggère à droite. Merci, à bientôt, au revoir.